L'écartement des rails du train d'Abrèche-Villers est unique en France. Il est de 70 cm car il correspond aux normes des trains militaires de la Prusse qui occupaient l'Alsace et la Lorraine lors de la construction de la ligne en 1884. Le train est créé pour l'exploitation forestière des 12 000 hectares du massif montagneux du Donon qui culmine à plus de 1000 mètres. En 1892 et en 1902, des tempêtes comparables à celles de 1999 abattent 400 000 mètres cubes de bois. Pour les évacuer, le réseau s'étend, il atteint 50 km en 1918 et approche les 80 km en 1939. Le bois transporté jusqu'aux scieries d'Abrèche-Villers par le train forestier pourra, à partir de 1892, être transbordé sur la voie à écartement normal qui atteint la ville à cette date. La voie suit en partie la vallée de la Sarre Rouge jusqu'au hameau de Grand Soldat où naquit l'écrivain Alexandre Chatrian qui fut pendant quelque temps employé des chemins de fer de l'Est. En collaboration avec Émile Erckmann, il écrivit de nombreux ouvrages, parmi lesquels l'ami Fritz, héros débonnaire et bon vivant de l'Alsace-Lorraine. Pendant que la locomotive refait le plein des réservoirs d'eau, les passagers peuvent visiter cette scierie plus que centenaire. Ces petites entreprises étaient nombreuses dans le massif. L'énergie hydraulique permettait de débiter les grumes, mais il fallait de longues heures pour réaliser ce travail effectué aujourd'hui en quelques minutes. Voici une schlitte qui permettait de descendre le bois de chauffage. Ce traîneau, glissant sur une piste de terre ou de bois, était d'une manipulation aussi harassante que dangereuse. Bien que souvent escarpées, les routes forestières finissent par supplanter le réseau ferré qui ferme en 1966. La ligne touristique de 6 km est inaugurée 3 ans plus tard avec une fréquentation annuelle constante de 25 à 30 000 visiteurs.